Bonjour. On va aller faire une petite sortie à la ressourcerie. Voilà, qui est juste devant. Toujours pareil là dans l'immeuble à notre droite. Et du coup, l'idée c'est de voir s'il y a des trucs, surtout le bouquin. On va voir ça. Ouais, du coup, j'ai les achats. Par contre, je vais faire une petite vidéo à la maison parce qu'en fait, il y avait plein de brocs, il y avait plein de monde là en plus. Puis il y a des brocs de Saint-Ouen et tout. C'est un peu, c'était un peu blindé. L'ambiance était hyper. On pousse du coude, donc j'avais besoin de mes deux mains. J'ai pas pu trop filmer. Juste les bouquins. Oui, évidemment, j'ai acheté le bouquin illustré par Job. Alors j'ai pris l'autre truc là, recueil pilote. Et puis après, j'ai trouvé des petits Léo Mallet. Voilà. Donc du coup, des Tardy, vous savez, les Nestor Burma. Ouais, donc du coup, on est de retour à la maison. J'ai pas pu trop filmer, en fait, il y a vraiment... Enfin, vous avez vu, c'est un tout petit plan à l'intérieur où on me voit trouver, donc, trois bouquins. Pierrot, album numéro 16. C'est de la BD. Ouf, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai regardé. C'est marrant. C'est un journal, en fait. C'est un journal de la jeunesse avec flèche d'or. Voilà. Bon, du coup, je sais pas, je vais lire ça, je vais voir ce que ça donne. Ça pourrait être un peu rigolo. Je cherche toujours des trucs pour les parodies. Et alors, il y avait des... Je sais pas, il y a des dessins qui sentent... voilà, là, il y aura de la bonne parodie à faire. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je sais pas. Bon, c'est toujours de la petite ressource sympathique en bande dessinée ancienne. Ça, c'est cool. Voilà. Les trois couleurs. Imagé par Job. Et ça, alors là, les dessins sont incroyables. Bon, il est pas en furieusement bon état. Mais ça va, il n'est pas non plus atroce. Et alors surtout, les panoramas, c'est superbe. Voilà. Donc c'est une histoire du drapeau illustré du drapeau français. Et il y a énormément de très 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 belles choses. Quoi. Voilà, donc vous voyez, il est très joli. De très belles illustrations par Job. Donc du coup, ça vaut le coup. Voilà. Bon, alors évidemment, il n'est pas en super état. Mais bon, ça c'est intéressant quand même. Journal particulier de Paul Léoto. C'est pas le gros journal de Paul Léoto. Je l'ai, je sais plus où il est. Donc je regarde, mais j'ai son journal complet. Il a 10 volumes. Voilà, donc du coup, on va voir ce que ça va. C'est... Je sais que c'est assez acide normalement, Paul Léoto, mais ça c'est intéressant. Donc voilà. Cupidon. Moi j'adorais Cupidon quand j'étais petit. Et du coup, ça c'est le numéro 8. C'est l'édition originale. Et en plus, c'est un service de presse du Puy. Il a le petit. Il a un petit tampon. Voilà. Service presse du Puy. Ça, c'est cool. Après, on va repasser comme ça pour qu'on voit bien. Comès. Je l'ai pas lu celui-là. La maison où rêvent les arbres. Comès, c'est le soulage de la bande dessinée franco-belge. Et beaucoup de noirs, des noirs. Surtout, faut voir ces planches originales, il y en a au musée de la BD. Il s'est séché de l'encre de Chine et il préparait lui-même ses encres pour avoir une encre qui était laquée, qui était incroyable. Un Tardy. Enfin, trois Tardy. Du coup, du Tardy policier. Voilà, chez Casterman. Est-ce que c'est l'édition originale? Je ne sais pas. Alors ça... 92, Casterman 2006, non. Monsieur Cauchemar, persignation du masque. Ah non.
Casterman 2006. Alors là, je sais pas, tiens. Faudrait voir. J'ai vu, la DDR. La cri du peuple. Alors là, c'est une bonne question. Peut-être bien. Je regarderai. En tout cas, elle est propre. Tardi à Delblanc sec, je l'ai pas celui-là. Voilà, bon, ça doit pas être un. Ça, c'est pas une édition originale, parce que généralement, la Delblanc sec, dans mon souvenir, à 98. Imprimé en 98, question en 98, je sais pas, mais ça doit être pour cette édition-là, parce que pour moi, c'est plus vieux, non ? Mystère des profondeurs, bon, à voir. Ouais, je sais pas, c'est le dernier. C'est le dernier. Et. Casse-pipe à la nation, c'était le premier. Ça m'étonnerait aussi que ce soit l'édition originale. Il date de quand celui-là ? 96 quand même. Regardez. Roman illustré voyage au bout de la nuit vers le soldat. Ouais, Casse-pipe. Non, non, voilà, Mathieu en cadavre. Non, c'est tout le. Parce que c'était le premier, il me semble, Casse-pipe à la nation. C'est cool, sympa à lire. Ouais, voilà. C'est pas des. Du coup, il n'y a pas de. C'est pas des trucs qui valent cher. Peut-être le commerce. Est-ce que le commerce, c'est peut-être un... C'est un roman à suivre. C'est un vieux, ça. Il est de quand? J'aime bien comme j'adore ça. La maison où vivent, où rêvent les arbres. Ah ouais, c'était après Iris. Bon, le meilleur, c'est Silence. Et il a fait d'autres. L'ombre du corbeau aussi, qui est sur la Première Guerre mondiale, qui est vraiment super. L'ombre du corbeau, Silence, c'est mes deux préférés. Mais bon, c'est toujours sympa de trouver un commerce. Bon, bah voilà. J'espère que vous étiez contents. Là, c'était ultra express, mais cette vidéo a le mérite d'exister. Faut que j'arrête de... Je fais toujours des petits coups de tête. Oui. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires. À vous aussi présenter, peut-être parler de ce que vous avez trouvé dans les brocantes. Je suis toujours assez curieux de la vie des gens. Et bonne semaine à vous. Au revoir.